Apprendre l'espagnol, leçon 5. Hola, bienvenida al sitio de netprof.fr para aprender español con Wilfried y Fabián. Lección quinta. Haber y tener. Haber. L'espagnol ayant deux verbes avoir, le verbe haber est toujours utilisé comme auxiliaire pour les formes composées. He comido, j'ai mangé. He venido, je suis venu. Il est également utilisé dans l'expression hay, il y a. Le second verbe avoir en espagnol est tener. Nous le verrons dans la suite de cette leçon. Verbe haber au présent. He, j'ai, has, tu as, ha, il, elle a, hemos, nous avons, habéis, vous avez, han, ils ou elles ont. Tener. Voilà le deuxième verbe avoir en espagnol. Tener. Le verbe tener est un transitif. Il exprime l'idée de possession au propre comme au figuré. Tengo dos hermanos. J'ai deux frères. Fabien. A faim. Tienes 10 años. Tu as 10 ans. Verbe tener au présent. Tengo. J'ai. Tienes. Tu as. Tiene. Il ou elle a. Tenemos. Nous avons. Teneis. Vous avez. Tienen. Ils ou elles ont. Le participe passé est tenido. À noter, le verbe tener s'utilise également pour exprimer l'obligation avec le mot que. Tengo que ir al cine. Je dois aller au cinéma. Tenemos que comer ahora. Nous devons manger maintenant. Ejercicio. Cuidado. Attention. Complete. Complétez les phrases suivantes par les verbes correspondants en espagnol. J'ai soif. Tu dois manger. Nous avons mangé. Ils ont été à la plage. Tu as 6 ans. Mettre la vidéo sur pause et compléter l'exercice. Correction. J'ai soif. Tengo sed. Verbe tener. Tu dois manger. Tienes que comer. Verbe tener plus que. L'obligation. Nous avons mangé. Hemos comido. Verbe haber. Ils ont été à la plage. Han sido en la playa. Verbe haber. Tu as 6 ans. Tienes 6 años. Verbe tener. Vocabulario. Repaso. Révisez. Entraînez-vous à répéter les mots après nous et enrichissez votre vocabulaire. Sed, soif. Comer, manger. Hay, il y a. Hermano, frère. Hambre, faim. Nota. La négation ne pose aucun problème en espagnol, il suffit de faire précéder le verbe par la négation no. Exemple, tengo sed, j'ai soif. No tengo sed, je n'ai pas soif. Merci d'avoir suivi ce cours et à très vite pour une prochaine leçon.